Et coucou tout le monde, bienvenue pour ce quatrième épisode du Let's Play sur Fallout. Et nous sommes toujours à Dépôtville. Et on avait récupéré Canigou, bien sûr. Allons voir un petit peu qu'est-ce qui se trame par ici. Oh putain. Gizmo, on connaît. On connaît Gizmo, c'est les embrouilles. Ici, on avait des Jean-Jacques, parce qu'il y avait le chien, du coup. On a récupéré le yinche. Allons au bar. C'est fermé à clé. Oh purée. Alors ça, faut pas me le dire deux fois. On avait une paire de clés aussi, mais je sais pas à quoi ça sert. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie. J'ai mis le sac à dos dans le sac à dos. Oh, ça me gave. Ça me gave. Ça me gave. Où est la paire de clef? Elle est là. À quoi ça sert le porte-clés? Arine. Non, pas voleur. On veut passe-partout. Tu essaies de chercher les rues, mais tu ne permets pas d'ouvrir cette porte. Tu as réussi à ouvrir la porte. Bonjour. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il va me tirer dessus? Ah, il dort. Faites pas de bruit. Mais Yarine. Mais il y a vraiment Rin? J'ai réussi à voler l'urne. Bon. Bah alors sortons pour l'instant. Je ne sais pas à quoi sert cette urne. Super. On a volé les sordants. Et quelle heure il est qui dort l'autre? Travaille que la nuit peut-être. Là-dedans il y a quelque chose. Mais il n'y a rien partout. Quoi servent ces maisons si c'est pour rien mettre? Oh la box. On va faire une sauvegarde sur le 2. Au cas où l'autre après il me dit mais on m'a volé mon urne. Alors, on va parier sur les combats. Qui part favori? Ah, sur qui tu veux parier? Ben, je sais pas. Sur le challenger, j'imagine. Il commence à 2h. Ben, on attend. Ah, d'accord. Vas-y! Je peux t'aider? Je parie à voir Gustopher. Ah oui. Ça te dérange pas. Eh bien l'ami, on peut pas gagner à tous les coups. Ah mais le challenger, je pensais que c'était lui. Attendez. On refait. Oui. Qu'est-ce qu'il fait Canigou, il court. Elle gagne, hein. Il s'est cassé la gueule là. Oui, il a gagné. Oh, t'as de la veine, voilà tes caps. Elles sont mes caps. Malheureusement, la majorité est déjà finie. Bon, bah tant pis.
On peut rentrer là? Bon, et à lui, on peut pas lui parler là? Je ne peux pas y aller. Oui, mais moi j'aimerais bien lui parler à ce gars-là. Ah oui? Ah, que fais-tu ici? Tu es un type robuste, hein, je parie que tu pourrais que je pourrais te battre. Ah bah non. Que fais-tu ici? Je suis boxeur. Je pourrais te boxer. Je pourrais te botter le train. Ah. Alors? Je travaille pour Gizmo, c'est le propriétaire du casino là-bas. Les combats rapportent bien ici. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Comment es-tu devenu boxeur? Je bagarrais toujours avec mes frères quand j'étais petit. Un jour, une bande de pillards a attaqué des pauvres villes. J'ai réussi à en battre un avant qu'il ne pointe son arme sur moi. Par chance, Gizmo parrainait des combats de boxe et j'ai besoin d'argent. Depuis, je boxe en professionnel. Il arrive à tes frères. Un de mes frères James était tué lors d'une attaque des pillards il y a quelques années. Peu de temps après, mon autre frère, Darrell, a rassemblé ses affaires et est parti dans le sud en direction d'un lieu mythique appelé le Rayon. En quête du trésor des anciens ou un truc du genre, il n'est jamais revenu. C'est sûr, cet endroit légendaire, le Rayon. D'après ce que j'ai entendu, le Rayon est un immense cratère d'où se dégage une lueur la nuit. Oh putain, c'est une bombe atomique qui est tombée. On dit qu'il y a le cratère... Attendez. On dit qu'il est très loin au sud, et je ne sais pas plus, mais aussi habité par toutes sortes de monstres mutants qui veillent sur la technologie d'avant-guerre. D'autres renseignements. Tu me parlais de ton chef. Ok, on s'en fout. Tu as une provision, tu peux te rendre au magasin de Killian Darkwater et ici, si tu cherches une chambre pour la nuit, va à la pioterie, juste à côté. Attention aux Skulls. Qui sont les Skulls? Oui, ok, d'accord. Je veux pas le flinguer, ça me sert à rien de le flinguer. Bon ben qu'est-ce qu'il y a de beau à faire chez eux là? Ouais, on va essayer d'aller faire quelque chose là-dedans. Avec mes clés dans la main. Bonjour. Faites vos jeux. Misez 5. Désolé, tu auras plus chance la prochaine fois. Faut-tu rejouer? Bon, merci. On joue même pas. Non, c'est quoi ça? 1. Ok, 1. Bonjour, bonjour, bonjour. Attends, là c'est le jeu de... Il faut que je te vole les poches. T'as quoi dans tes poches? Oh les pauvres. Bonjour. Bonjour. Bonjour, veulent pas parler. Bah c'est le chef qui est là ou quoi là? Bah ouais, il est là je pense. Non, je veux pas parier les sous. Bah j'imagine que j'ai pas le droit d'aller là-bas. J'ai le droit. Bon, personne ne me dit rien, donc on a le droit. Non mais arrêtez de vouloir me faire jouer partout. Je veux pas jouer. Bonjour. Excusez-moi, je fouille les placards. Bon, apparemment, il n'y a rien dans vos placards. Oh, putain, il est là, l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Un paquet de nouilles. Je sais pas, on prend. Hein. Une place. Bah tiens, voilà. Donne-moi les nouilles. Ça s'est fermé, j'imagine. La porte est verrouillée. What do you want? I'm a busy man. J'ai pas que ça à faire. Je viens de prévenir que ton tueur a raté son coup. Ah, je viens causer de la tentative de meurtre. Savoir
Comment un connard comme toi est encore en vie? Ah! Est-ce que maintenant? On teste, hein. I don't know what you're talking about. Je sais pas de quoi tu veux parler. Et si, t'as embauché un type pour tuer Kylian, il rate son coup. Tu te rappelles de pas avoir engagé un gars? En prenant une situation fictive. Such as... Par exemple. Disons que t'essaies de le tuer. Ah. Well, how can I trust you? Mais moi je veux pas le tuer. All right. That's easy. I wanna... You're either... Attendez, je refuse. Refuser. Bon, il y a la balle, il y a les pattes, on le sait. Ah, moi j'aimerais bien aller au bar, mais apparemment c'est fermé. Jusqu'à quelle heure, je sais pas. Quelle heure il est dans le jeu? 14. Disons 3 heures. C'est bon? Oh putain, il y a du monde. Bonjour! Ah, barman qui vient d'arriver en fait. Bienvenue au Canadien. Je peux prendre un verre, chercher des informations. Bonjour, quel est cet endroit? Ah, regarde un instant, hein, tu n'es jamais entré dans un bar? Ben si, mais... Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Merci, je peux avoir un verre? Oui, bon ça, on connaît tout ce qui se passe ici, quoi. Oui, ben vas-y, donne-moi une Nuka-Cola. What the fuck? Oh! Ah bah c'est rapide avec lui. Non non, j'ai plus de place. J'ai plus de place pour vos conneries. Ah bah c'est... Oh! Qu'est-ce qui t'arrive au trophée qui était là avant? Un salaud me l'a volé! Un trophée, c'était pas une urne quand on est les cendres de ma femme. Oh. Des os. Je peux peut-être te les ramener si tu veux. Attendez. Si je lui fais du troc et que je lui donne l'urne. C'est quoi ça? Attends. Mais tu veux pas l'urne de ta femme? C'est quand même quelque chose cette histoire. Merci. Ah! Ben voilà, une bonne chose de faite. Ah, dis-moi que je peux la prendre celle-ci. Non, alors attends. Jette ça. Vas-y, vas-y, tout ça, j'en ai rien à... Non, pas les antidotes. L'alcool, là, j'en ai rien à foutre. Je sais pas à quoi ça sert, tout ça. Ça. Voilà. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Voilà. Troc. Je veux ça et ça. Et moi en échange, je te donne ça et... Il manque combien? Il manque 128.
Voilà, dans le doute. Ce qu'on peut faire, c'est récupérer notre argent. C'est technique, en fait, le jeu. Hein. C'est vraiment... On paye et on reprend les sous. Ah, mais tu n'as pas l'air d'un bizarre. Tu veux-tu te mettre à moi pour boire un verre? Je sais pas trop, là. Moi, j'ai pas le temps. Attends. Parce que je sens que ça tourne mal, cette histoire. Avec plaisir. Formidable, j'espère que tu ne vas pas t'en inconvénient avec une boisson bien arrosée. Quelle est ton histoire? Je pourrais te demander la même chose, mais je pense que je devrais me présenter. Je m'appelle Chico. Chicho. Je suis originaire de l'Est, un endroit qui s'appelle autrefois le Nevada. Ils sont très bien armés. Mon grand-père était le guide. Ok. Vraiment, difficile de survivre de nos jours. Tu dois connaître beaucoup de choses. Ma famille a appris tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il fallait savoir pour survivre. Comment ne pas boire de l'eau. Comment ne boire de l'eau que si elle est claire, exempte d'insectes, de mousse. Seules les eaux sont empoisonnées ou radioactives, peut-être si claires dans le désert. Une tasse de petites choses auxquelles il faut faire gaffe. Comme quoi. Là, tu as le temps, je pourrais donner quelques tuyaux. Bah oui. On peut faire présenter dans un, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Nova. Et on a gagné quoi? De toutes les informations. Nous renseignements sur les bandits dans le coin. Kylian, vu que je nettoie la ville, tu m'aides? On peut le recruter? Oh! On est 15 maintenant du coup? On est la bande? Passer un niveau. Attendez. Je suis où là? Je suis bloqué? Allô? Bienvenue. Et qui me parle? Une meuf. Où est passé mon personnage? Question, qui est Gizmo? Pourquoi as-tu crié à propos de Sol? Prenez mon ami, il est très gentil avec moi. Qui est Gizmo? On sait, qui tient ce bar, merci, au revoir. Oui. Où est mon perso? Attendez, mais no joke. Je suis où? C'est moi, ça. Et pourquoi je peux pas me déplacer? Ah, j'ai peut-être trop de merde dans mon... Je suis trop lourd? Ah non. Peut-être qu'on on doit voir la scène en fait, c'est ça? Mais non, mais là je peux me déplacer maintenant. Et pour de bon qu'on est 15? Où est mon chien? C'est la bande à Fifi! Si je fais mon entraînement, je peux manier les lances par exemple, tout comme les petits pistolets et les fusils. Très bien. Alors tu. Laisse-moi te fouiller. Attends une seconde, parce que là, moi, j'ai trop de gens équipés, là, maintenant. Oh, t'as de quoi te soigner, t'as des balles. Et ça, je peux t'en donner deux en plus, si tu veux. Ou un en plus, même, si tu veux. Je sais pas quoi en foutre. T'as des balles de fusil à pompe. Est-ce que t'as une armure? Je sais pas, on comprend rien dans ce jeu.
Attends, je vais revoler l'armure que j'ai vendue. Donne-moi une seconde. Bouge pas. Excusez-moi, je vous ai vendu une armure. Il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais il faudrait juste que je la récupère. Non, alors ça c'est non. Pardon, excusez-moi. Il me faudrait l'armure. Ah mais 50% mon cul, ouais. Ah oui, on avait monté un niveau, attendez, qu'est-ce qu'on va monter? J'ai vu que tout à l'heure, il me disait beaucoup de trucs que j'avais besoin, c'était... Projectile, arme blanche, secourisme, esquive... On peut monter voleur, on remarque. Hein. Projectile, c'est quoi? On s'en fout de ça? Ça, je m'en fous un peu. Ça, pour l'instant, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Je m'en fous. Ça, pour l'instant, ça va. Ça va. Ça va. Science. Science, ça peut être pas mal, non? Pas trop. Augmenter le discours. Je sais pas, comprends rien. Attendez, monsieur, on en était à il faut que je vous vole. Tu ne peux pas y aller. Salut. Si, je peux y aller, attends. Mais non, mais arrête, arrête. Sauvegarde 14 000. Oh, ça casse les bombax. Hein. Tout ça pour rien parce que je suis sûr qu'il se l'équipe même pas, l'armure, en vrai. Je suis sûr qu'il se l'équipe même pas. Y'a pas un truc sauvegarde rapide, chargement rapide, sûrement, mais je connais pas les raccourcis. C'est ballot. Cette fois, c'est la bonne. Mon cul, ouais. Non, mais sinon, je lui achète. Hein. Attendez, si je fais 1, esquive, into, vol. C'est passé. Brum, 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 brum. Il a déjà une armure, j'ai l'impression. On va quand même lui donner pour au cas où. Tiens. C'est cadeau. Le cœur sur la main, moi. Voilà. De changer ma formation, ne t'éloigne pas. Ok. Toi. Ça c'est bon. Du coup, t'as bien un pistolet toi encore quand même. On sait pas en fait. Imagine que oui. Ok. Bon, on est pas trop mal là déjà. Mauvaise herbe. Alors lui, attendez, qu'est-ce qu'il a comme arme? Parce que peut-être que je peux lui donner un truc, genre un fusil d'assaut ou je sais pas quoi, là, c'est quoi ça? Carabine. Fusil de chasse. Qu'est-ce qu'il a comme arme, lui? Montre-moi ton inventaire. Ah merde, je vois pas son arme.
Peut-être que je pourrais te donner la carabine, non? Ou le pompe? On verra bien. Ok, ok. Bon, il y avait plus rien là-dedans? Hein, qu'est-ce que tu veux? Eh, belle voix. Ah, je peux t'aider. Demander quoi? Est-ce que tu joues ailleurs? Chante au centre, parfois j'ai visité la confrérie de l'acier et le sanctuaire avec les caravanes. Pourquoi tu me demandes ça? Comment se rendre à la confrérie? Comment on fait pour aller au sanctuaire? La confrérie, c'est à quelques jours d'ici en partant vers l'ouest et légèrement au nord. Mais n'y va pas, ils te laisseront pas entrer à moins que tu sois avec une caravane. Ok. Et sanctuaire, dirige-toi vers le sud-ouest. Le sanctuaire fait partie du cimetière. C'est une petite ville semi-industrielle. Je l'ai pas beaucoup aimé. Tu sais autre chose? Me rendre au centre. Le centre. Pas très loin au sud de Dépôtville. Ok. Mais est-ce qu'on doit régler l'histoire de Gizmo, de pas Gizmo là maintenant? Apparemment, on peut tricher. Si on a 50 en jeu, eh bien, on peut... Là, par exemple, on a 50 en jeu. Et le jeu me dit... Enfin, la Solus me dit... Je voulais avoir beaucoup d'argent. Bon, c'est pas notre problème. Si vous avez 50 en jeu, vous pouvez exploiter le bug des casinos. Ce n'est pas vraiment un bug, puisque c'est votre niveau en jeu. Parlez à un joueur de roulette, maintenez les touches 1 et 4 du clavier numérique enfoncé pour que votre argent augmente très vite. Attends. Imaginons L. J'appuie sur 1 et 4. Ah non, entre 1 et 4. Ah oui, parce qu'en fait, en gros, je joue à l'infini, ça. Ah oui, 1, c'est pour valider, en fait, et 4, c'est pour faire rejouer. En fait, il fait OK. OK, 50, OK, 50, OK, 50, OK, 50, OK, 50, en fait, il fait ça à l'infini. Et en gros il valide les choix. 1 et 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Et en gros, je perds, je gagne, mais comme je gagne plus souvent que ce que je perds, parce que j'ai plus de 50%, bah du coup... Petit à petit, en fait, votre argent, il monte, quoi. Tout simplement. Donc, en gros, c'est... Bah, voilà, quoi. Donc, par exemple, tu fais ça pendant 8 heures. Et ben, voilà. Après, je vois que je suis à 6000. Alors qu'on était à... je sais plus combien. Mais bon, l'argent sert-il vraiment à quelque chose dans ce jeu? Parce que j'ai l'impression que... On sait plus quoi faire notre pognon. Je vais farmer un peu. Bon voilà, j'ai fait ça pendant 2 minutes, ça suffit, hein, pas non plus faire ça. Bon, on avait la cassette de l'enregistrement, il faut qu'on aille voir Gizmo, du coup, qu'on l'enregistre de mémoire. Il est où Gizmo? Il était là. On va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, là, j'imagine. What do you want? Je vais te prévenir que ton tueur a raté son coup. Je ne veux pas de quoi tu parles. Mais si, t'as embauché un type pour tuer Killian, il a raté son coup. Je ne sais pas qui tu es. J'aime pas voir d'étrangers entrer dans mon bureau, mais accuser tout qu'ils ne savent pas. Ah oui, voilà, j'imagine qu'il faut que je fasse ça. Elle va m'aider. C'est quoi cette aide? What kind of help are we talking about? Non, t'énerve pas. Laisse pas deviner, c'est quelqu'un, c'est toi. Exact. Et pourquoi je te ferai confiance? Je suis là et t'as besoin de quelqu'un qui soit pas d'ici pour faire le sale boulot, pas vrai?
D'accord, on peut voir, mais si tu bosses pour moi, sache que ceux qui ont voulu doubler Gizmo, ils sont plus là pour dire un mot, tu piges. Je peux t'en flanquer une, bien sûr, mais il faut d'abord que je sache pourquoi tu veux me voir, pourquoi tu veux le voir mort. Je veux qu'il crève car il gêne mes affaires. Alors tu me le trucides ? Je suis là, il ne verra pas le coucher du soleil. Parfait, comme preuve, tu rapportes le pack d'identité qu'il porte. Du coup, n'oublie pas, cette conversation n'a jamais eu lieu. Enfin, j'espère qu'il fallait pas que je m'équipe sur moi les conneries là. Parce que du coup, sinon, ça, il va me dire, vous n'avez rien enregistré. Parce que c'était dans votre inventaire. Et bah, parce qu'il fallait cliquer dessus. Il est où Jean-Mich? Toutes les merdes que j'ai jetées. Alors, tu as les preuves? Bien sûr que je les ai. Alors, micro ou bande? Les aveux. Écoutons. Bien la première fois que je suis content d'entendre sa voix. Merci, c'est sympa, il est temps que toi et moi, on s'occupe de l'autre affaire. De l'autre affaire? Ah oui, qu'est-ce que je veux? Le Steam Pack, c'est que ça pèse pas de poids. Je m'en vais avec les gardes, je viserai Gizmo et ses potes de la ville. On n'aura pas trop de fusils, t'es de la partie. Oui, vas-y, allez, vas-y. J'ai besoin de Rin. Je suis équipé comme Jaja. Don't worry. Ils sont mes poteaux. Ils arrivent. Il est où Gizmo? C'est pas là. Nous on tue les méchants nous. La dernière fois il y avait un gars qui jouait à Fallout 4 et il faisait un, je sais pas, un énième stream qu'il en a, il en a fait 50 milliards quoi dessus le jeu. Enfin, il a fait 50 runs je veux dire sur le jeu. Et je me rendais compte qu'en fait j'arrive pas à être méchant dans les jeux. Non mais arrête. Là. Hop là, mon petit gars. Attendez, parce que tant je vais rentrer, et quand je vais rentrer, il va me dire ils sont armés, tirez dessus. Bon, je vais le prendre par surprise. Et ouais, voilà. C'était sûr. Et bon. J'ai plus rien. Attendez, j'attends ma bande. Il me manque un là. Attendez, il m'en manque un. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Mich? Ne t'éloigne pas. Ben là, pour pas s'éloigner, il s'éloigne pas, il bouge pas. C'est un cirque. It's a circle, ce jeu. On va te dézinguer. C'est bon, j'ai toute ma bande ici. Y a pas le chien, mais on s'en fout du chien. Did you finish the job yet? Then give me the dog. File-moi les plaques. Et si je te les filais pas? No problem. C'est pas un problème, je les prends sur ton cadavre. Ah ouais, tu vas embaucher quelqu'un pour faire la cover à ta place? One is okay. Two. Une fois ça va, deux, bonjour les dégâts. Pam pam! Les juges et les lois, ça me fait pas peur. Aïe! Allez hop là! Oh le chien!
Le chien, il arrive. Oh, il fait des dégâts de ouf, le gizmo, là. Oh, le yinche. Oh, le canigou. Oh, il se fait éclater. Et allez. Qu'est-ce qu'il y a de beau, ici? De l'argent. Allez, hop, là, on prend ça. Qu'est-ce qu'il a de beau, le Jackie, là? Des balles. Un pistolet. Les brochettes, on s'en fout, mais non, on a canigou. Oh tiens, prends les bières aussi, allez, ça dégage. Attendez. Inventaire. Ah, il faut terminer le tour. Inventaire. C'est quoi ce pistolet? Il est quoi? Il est bien, il est pas bien? 5-10. 5-10. C'est du 9 mm. Bon, va falloir faire un choix. Hein. Donc, on va partir du principe que ça, on prend pas. J'ai trop de balles, là. J'ai trop de balles, j'ai trop d'armes. Ça dégage. Ça dégage. On espère que c'est pas trop fort. Passe-partout. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ici? Briquet. Bah écoute, ça peut servir, je sais pas. Un livre. Ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du pognon. Non, il n'y a pas beaucoup. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Rine. Alors c'était quoi le bouquin? Armes et munitions. Utiliser. Tu n'apprends rien de nouveau. Bah. J'avais un level trop, c'est ça déjà? Pas d'armes ici. Pas de soucis. Tout le monde est mort, donc de toute façon. On va aller voir Jean-Michel, là-bas il est où? Ah mais merde, il dort maintenant lui. Merde, il faut attendre maintenant. À quelle heure ça ouvre, ça? Il est 20h. Dormir jusqu'au matin. Il est toujours pas là? Bah, 2h alors. Faire pour toi. On a tué les gens. On t'a débarrassé des gens et tout ce que tu me dis, c'est... Bah alors, comment ça va mon pote? Ah moi c'est parce qu'il fallait aller voir le gars de la ville, c'est ça l'histoire? Comme je suis pas allé voir le gars, ça me donne pas d'XP. Imbécile, tu as tout gâché, il fallait des preuves pour qu'on sait Gizmo et ses comparses écoutent entre nous, je suis content. Mais comment ça? Attendez, on revient. Il fallait des preuves, frère. Et les preuves de quoi? Je te les ai donné, les preuves. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Oh, quel jeu à la con. Je peux pas vous les donner entre vous, les preuves. C'est moi qui fais le facteur en plus, putain. D'accord, pour attaquer la... Oui. Oui, bah j'étais d'accord depuis le début, hein, mais bon. Personne me laisse faire. Personne ne me laisse faire mon travail.
Ici, on peut pas faire son travail tranquillement. Il faut que... Jean-Michel... Et oh... Bien, voilà. Vas-y, Canigou. Tu tires pas dessus, toi. La dernière fois, tu m'as tiré dessus. Allez, hop, ça dégage. Oh, le chien. Oh, le yinche. Il est chaud de l'habitasse, hein. C'est bon. Eh ben. Oui. Pas cette point d'action. Combat terminé. Ah voilà. Ah ben là on a pris l'XP. Du coup. Ok, merci. Attendez, il faut que je retourne là-haut. Ah non, c'était là. Je suis en train de voir la soluce, ils me disent « Il est temps de s'occuper des Skulls. Allez à la poterie, il y a un gars habillé qui vous dit d'aller voler l'urne. » Mais moi, je veux pas faire partie des Skulls. Moi, je veux être un gentil. L'hôtel ? Non, pas du tout. Il est perdu. Il y a 3 cartes, il est perdu. Faut aller fouiller là maintenant parce que... Bonjour. On a oublié des petits trucs. L'argent. Toi, t'avais des trucs aussi, je crois. De l'argent surtout. Ah oui, on a dit, j'avais dit tiens, prends les brochettes de merde et prends la bière de merde. Ah oui, merde, c'est vrai que c'est verrouillé, il faut crochetage. Maison derrière qu'on n'a pas fouillé. Le briquet, ça. Non. Argent. Hop. Allez, merci d'être venu. Où sont mes comparses? Ils bougent pas. Ils ont décidé de ne point bouger, écoutez. J'ai pas visité cette maison, je crois. Non, non, non. Qu'y a-t-il de beau ici? Et... Rien. Et rien. Du coup, le livre, je me tâte à le lire parce que si ça m'augmente rien, je perds du temps pour rien, entre guillemets. Je vais essayer de voir si j'ai l'info. N'en débougez pas. Bon ben, c'est pas marqué, donc bon, on va voir. Donc là, maintenant, il faut aller voir les... Bon, on a tué Gizmo et compagnie, c'est cool. Ah oui, il y a marqué qu'il augmente votre niveau des armes légères uniquement si vous avez moins de 91. Mais sinon, ça peut se vendre assez cher, on me dit. Oui, bon, ben, ça nous servira peut-être à passer le temps, si jamais il faut.
Et un briquet inutile, on me dit. Non, mais ça dégage. Il est temps de s'occuper des Skulls. Allez voir la pioterie. La pioterie. Bonjour. Je suis là pour casser des gueules. Attendez. C'est quoi ça? Un briquet. Je viens de le jeter par terre, je suis con. Bonjour. Attendez, je fouille. Yarin. Qu'est-ce que tu veux maintenant? J'aimerais faire partie de... Ah voilà. Donc là, là, attention, c'est là où c'est que vous pouvez rejoindre les Skulls, donc des, un groupe de bandits, ou pas. Apparemment. Dis-tu que vous voulez faire partie de la bande et que vous voulez le prouver. Il vous demande de voler l'urne funéraire de Nil. Aller au bar, à l'entrée pendant que c'est pas fermé à clé, nananana, voler l'urne. Si vous voulez faire partie des Skulls, faites ce qu'il vous dit, mais attention, vous aurez tous les gardes de la ville contre vous. Sinon, dites-lui que vous avez quelque chose à faire avant d'aller tuer Nil. 400 d'XP pour avoir volé l'urne. Allez tout dire à Lars à l'entrée de la ville. Accompagnez-le et tuez les Skulls. Vous voyez? Nous, on tue les Skulls. Donc j'aimerais faire partie d'une bande. Si tu veux prouver que tu es capable, gnadali dadadou dadada dadada. Faisons souffrir Nil pour quelques heures. Je l'ai déjà volé. Tu l'as? Non. Mais oui, je l'ai volé, mais je l'ai rendu. Moi, je savais pas. Moi, j'ai fait les trucs à l'avance. Maintenant, on va prévenir le garde à l'entrée pour dire hey, « Eh, les Skulls, gaga, ont cassé la gueule. » Nous, on casse la gueule à tout le monde. Tu vois, la ville, on va te la clean, mon gars. Une fois que t'as enlevé les Skulls et l'autre, là, et Gizmo, il n'y a plus personne. Ah. Et du coup. Parce que je pense qu'il faut... Je pense que l'idée, en fait, c'était de voler l'urne. Et une fois qu'on a volé l'urne, de lui donner... Mais... Là, voyez-vous, nous avons un petit problème. C'est-à-dire que l'urne n'est plus là. Et... Et en fait, comme je lui ai rendu l'urne, déjà, je peux même pas lui voler. C'est-à-dire qu'elle n'est plus disponible. L'item urne n'est plus disponible. Sauf si il l'a foutu quelque part. Genre là, on peut la revoler. Ah oui, mais non. On n'est pas dans la merde. On a fait le jeu à l'envers. Zut. Je vais essayer de trouver une solution. Toujours les problèmes. Bon ben je crois que c'est la baise au cul.
On va essayer de vénère celui des Skulls là, et puis de les flinguer, et puis voilà. Hein. Et on va... On fait bugger le jeu encore. Hein. J'ai jamais parti de ta bande. Laisse-moi faire mes preuves. Pas question. Je l'ai déjà volé, tu l'as? Non. Ah merde. Eh, du sang frais. Es-tu complètement malade? Ras le cul. Voilà, voilà, on va faire comme ça. Cassez pas les couilles. Laisse le yinch. Alors lui, il va vous désinguer. Moi, je joue des fois. Je vais laisser Canigou tranquille. Hein. C'est mon tour. Aïe, aïe. Vas-y, ça dégage. Allez. Allez, le yinche. Oh, le yinche. Non, non, mais... Tu pars pas, hein. T'as cru? T'as cru que tu partais. Mais c'est non. Est-ce que l'argent vraiment va continuer à prendre l'argent? Je sais pas trop, mais bon. Écoutez, on a fait... On les a tués quand même. Hein. C'est le principal. C'est quoi les munitions pour ça? C'est celle-là, je crois. Moi, les gens, ils m'attaquent, on les tue. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'elle, les Skulls. Qui est parti de la bande? On trouve le Scumpit. Un barlouche, un casino de Gizmo. Je tourne avec ces gars-là. On forme une famille. On va voir ça avec Victor. Tu veux te battre? Ben oui, voilà. Ben oui. Ben ma foi. Mais c'est ta faute aussi là. Elle a cherché. Elle a cherché, hein. Je suis désolé. Hein. Ah oui, ben oui. Attends, est-ce que tu veux pas des steampacks, toi, un peu, là?
Tiens, regarde. J'en donne 5. Et le chien, il faut pas le soigner? Comment je fais pour voir les points de vie de mon yinche? 39 sur 50. C'est à moi de lui faire les picouzes. J'imagine. Elle ou Jacqueline, là? Elle, on devait la retourner contre les Skulls. Et du coup... Quel marché? Oui, mais il n'y a plus personne, donc tu crains rien. Hein. Tout le monde est mort. Tout le monde est dead. Hein. On va aller voir l'autre, on va dire, oh, au fait, il y a tout le monde qui est dead. Ah. Ah oui, mais non. C'est pas moi qui ai tiré en premier, hein. Mais il y a toute la ville contre moi maintenant. Mais... On veut pas se battre, hein. Mais pourquoi ils tuent la police? Les mecs, ils sont venus. En plus, j'ai sauvegardé par-dessus la sauvegarde. Oh non. C'était il y a 1000 ans. Le 25, le 26. Le 26. À 10h. Mais non. Attendez. Le 26 décembre à 10h. Et ça, c'est le 26. Et mais le problème, c'est que j'ai fait un milliard de trucs, moi, entre-temps. Oh bordel. Bon, j'ai plus ou moins refait, j'ai pas tout fait avec la connerie de l'urne et tout, tant pis. Et j'ai tué le doc. Je suis allé voir le doc et... Et voilà. Je voulais juste voir un truc parce qu'apparemment ici, si elle, tu lui laisses une journée complète... Apparemment, elle peut se retourner contre eux, les porter plainte contre les machins. Parce que le problème, c'est que moi, je veux bien les tuer, les Skulls, mais je peux pas, en fait, parce que c'est... ils m'attaquent, et après, il y a des gardes de la ville qui m'attaquent. C'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi... Pourquoi, si tu te fais attaquer par quelqu'un, eh ben, du coup, c'est toi le meurtrier. Est-ce que c'est normal? Par exemple, je parle à lui... Et je me dis, je crois que je vais m'en aller. Et d'un coup, il te dit, ah ben, je t'attaque. Tu vois, bon, jusque-là, rien d'anormal. Il y a un mec qui m'attaque, ok. Donc, je le tue. Tu vois, jusque-là, rien d'anormal. Mais il y a d'autres gars qui m'attaquent. Oh putain, il a raté, il a tiré sur son collègue. Donc, moi, bête indiscipliné, tu vois. Ils m'attaquent. Je les attaque. Tu vois, c'est normal. Y a pas de problème. Mais pas tout sur lui, là, calmez-vous. Comment ça, j'ai 26 points de vie? Et ça dégage.
Aïe. Aïe. Hop. Oh, le yinch, il est trop trop fort en vrai. Bon là il fait que rater évidemment, mais habituellement il est fort. J'ai raté. Oui. Ça serait bien qu'il me tue pas. Ok. Donc là, voilà. On range nos armes. Bien sûr. Ils avaient rien, je crois, sur eux. Hein. Ouais, je sais plus, mais bon, bref. Voilà. On sort du mode combat. Donc on se dit, oh, tiens, là là, c'était sympa ici. Ils m'ont attaqué, hein. C'est eux qui m'ont attaqué. Ah, mais là. Et là, ils m'attaquent pas, les gardes. Et pour quelle raison, tout à l'heure, ils m'ont attaqué. Je pige rien du tout. Well, howdy. What can I do for you today? It's incomprehensible, ce jeu. Non, non, je vais pas sortir. Je veux aller voir Jackie. Ah bah si, c'était là. Donc le doc, ouais, je suis descendu. Et je lui ai dit, ah, je sais ce que tu fais, salaud. Et il m'a attaqué. Donc bah, je l'ai tué. Bonjour. Ouais. Attendez, moi je voulais juste aller voir. Clac. Voilà tout ce qu'il y a maintenant là. À Dépôtville. Je veux aller. C'est au casino. Le bar. Ah non, non, je voulais aller dormir. Peut-être tout à l'heure, ils m'ont attaqué parce que j'avais un pistolet dans les mains. Hein. Et j'ai oublié de l'enlever. Juste aller voir elle, là, du coup. Vas-y, Micheline, ils sont tous morts, tu peux partir. Ils sont morts, les Skulls. Je comprends pas, qu'est-ce que tu fais là, encore. Chambre numéro 1, suis-moi. Elle m'offre la nuit, du coup, parce que j'ai des lotres. C'est sympa, merci. Tu es dans ta chambre, tu veux t'y reposer demain matin? Oui. Merci. Ok. Attendez, on va aller voir Trish. Elle dort. Là, ils cachent de l'argent, peut-être, ici. Parce qu'ils me disent... Ils me disent qu'ils cachent de l'argent. Ou cachent-ils sur l'argent? Bon, écoutez, je ne sais point. Nous, on va sauvegarder après. On va utiliser un petit truc comme ça sur moi. Voilà. Pour l'instant, bien sûr, on s'équipe pas les pistolets. Mais c'est toi, Gizmo et ses gars, et ils sont tous morts. Le jeu, il comprend pas que les gens, les PNJ sont morts. Tout le monde est dead.
J'ai un trousseau de clés, mais dessus les clés, il n'y a pas de clés. Lui, il me dit toujours bonne journée, quoi. Yeah. Ok. Est-ce qu'on peut s'équiper nos armes maintenant? Alors, est-ce que c'est mieux ça? 8-20 la carabine. 8-20. 8-20 alors que le pompe. Non mais. 12-22. Portée 25. Portée 40. 8, 20, 10, 16. Je pense que je préfère ça en vrai. On va tester de toute façon. Regarde. Hein. Alors là, avant de se quitter, j'ai vu sur les internets qu'apparemment, ici, si on y retournait, vous savez, à la grotte des scorpions, eh bien en fait, on pouvait, avec de la dynamite, bloquer une bonne fois pour toutes la grotte des scorpions. Et apparemment, ils sont contents après. Aïe. Bon, maintenant qu'on est 18, ça va être plus facile. Ben oui, évidemment. Hop, petite queue de rat de scorpion. Oui. Tu as les jambes en coton. Donc là, je dis à lui, parle-moi cet endroit, amène-moi aux grottes. Donc là, nous, on a déjà tué tout le monde. Mais, apparemment, on peut faire péter quelque chose ici. Attends, des sauvegardes. On va sauvegarder sur le 4, j'en sais rien, voilà, tiens. Alors, on va essayer, du coup, on va venir ici. Je sais pas trop où. On va le mettre là, la dynamite. Inventaire. C'est de la dynamite. Là. Non, arrête. Clac. Utiliser. 1 minute. Ça fait beaucoup peut-être. 20 secondes. Je l'ai mis là. Ah ouais. Je l'ai mis mais sur moi. C'est technique le jeu, hein. Donc ça veut dire que d'abord. Parce que pourquoi pas. Pourquoi ne pas se le mettre sur soi-même? N'y pense pas assez, je trouve. Là. Je fais quoi? Je vais là? En plus, ça... Cassez-vous! Donc, là je fais ça, je mets 1 minute. Et je fais quoi? Lancer. Il faut venir là par contre, hein.
Oh, le yinche. Ça a pété ? C'est la minute la plus longue de votre vie. Merde, où est mon arme ? Allez, 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 les pétards. Le problème c'est que je sais pas si le temps avance si moi je me déplace pas. Je pense que oui, mais... Non, bougez pas. Il est minuit 38. Minuit 38. Oh, ça a pété. 300 d'XP. Ça fonctionne, bravo. Allez, merci d'être venu. Nous, on se casse d'ici. Et donc, prochain endroit, c'est le centre. Mais c'est où, le centre ? Il y a un combat. Un combat, on sait pas quoi, d'ailleurs. Est-ce qu'il sera un combat ? Est-ce qu'on veut se faire chier à se battre ou pas ? Bon, il remarque. Je sais pas si ça vaut le coup au niveau d'XP par rapport aux balles. De toute façon, ça va dead en un tour, ça. Ouais, voilà. Je sais pas si ça vaut le coup de les prendre, ça. Oui. Ça, c'est quoi, ça ? Le centre, j'imagine. Ouais, c'est là. Mais là, il y a ça aussi. C'est quoi, ça ? La confrérie ou le cimetière ? Je sens mieux. Pourquoi je me sentais pas bien ? Je vais être empoisonné, peut-être. Attendez, si je fais ça. Le centre, la confrérie et le cimetière. Oh boy. Et là, on a raté un truc, c'est quoi ? On verra, peut-être qu'on retrouvera ce truc-là. Oh non, pas encore. What the fuck ? Y'a du monde ici. Qui est avec moi, qui était pas avec moi. Attention, l'endroit n'est pas sûr. Un policier du centre. Attention, l'endroit n'est pas sûr. Il y a personne. Oh, il serait pas sûr. Vous avez des belles armures, hein. Je regarde. Excusez-moi, je regarde. Non, c'est pas très intéressant. Clic. Hop. On sauvegarde. C'est le centre. Et rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Des bisous.